Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Eilis, ou attendez nous sur Parler ça avec vous. Nous tous bienvenus. Je dis à nous, vous voulez parler de causer haïtien, perception haïtienne par les États-Unis, plusieurs côtés qui voyaient comme des envahisseurs. C'est vrai que vous avez parlé de Springville, même il y a plusieurs articles là. Comme d'où tout que les médias ont profité pendant à parler de Haïti pour la chercher, même. Vous venez avec plusieurs dossiers. Pour tenter de diaboliser la communauté haïtienne, qui généralement tout le monde reconnaît nous que c'est des travailleurs. Nous allons aborder plusieurs points avec vous là et pour essayer de comprendre. D'abord, nous allons faire entendre des vidéos ça. Youn ke, comment bien, nous allons entendre ça. Qui ça dit? Linon Kai. La parler de Haro. C'est Wen, son Kai dit Wen. Et ça qui passe. Yon immigrant yon haïtien, l'acheter Kai là. L'acheter. Comprenez bien? Si l'acheter parce qu'il y a moyen, ça arrive, il y a un bon haïtien qui fait paraître dans le pays. Il vient travailler successful. Et il y a un bon monde qui va y avoir peut-être ça et qui dit, bon, c'est la caille, moi. Haïtien acheter caille là. T'es rentré, l'acheter, li bordé les pour quitter caille là, c'est le bien propriétaire. Donc, dame nan qui est estomaqué, du fait que haïtien ça, qui peut même qu'on parle anglais, vient mettre le dé. Bon, il y a des détails bas sur cause éviction, leur acheter un caille, pas nécessairement qu'on est où. Est-ce qu'il y a causé 3 jours? Est-ce qu'il y a cabotage? C'est la loi qui va le décider. Vous comprenez? Et, par exemple, me fait acheter un cas, il y a un monde qui te loue, processus, parce qu'il me fait acheter. Qui a un processus là, qui a un notice là, il a dit que je ne peux pas louer, que j'ai besoin de cas moins. Est-ce que ça la loi dit sur 3 jours sur le bagage? Mais, vous n'avez pas pour dire, oh, je ne peux pas moins, garder des respectants. L'acheter, c'est l'acheter, il y a moyen. Et puis, vous avez dit, vous avez l'argent, vous fait comprendre, c'est avec l'argent. Food stamp, bah qu'on est l'argent qu'il arrive à acheter caille, l'on sous bluff. Faut attendre des dames là qui t'es là, qui t'a le plein, ça c'est le premier aspect que n'a pas d'avoir, qui t'a le plein dans réunion et city commissionnaire là qui t'a expliqué l'histoire. Faut attendre. Bon moment. Approached yesterday by a non-speaking or non-English speaking member of the community now. Donc, il parlait de non-speaking member of the community, il dit. Certes, il y a des gens qui ne parlent pas l'anglais, ils comprennent ni. Les gens qui ne parlent pas l'anglais bien, si les deux balkans, ils comprennent ça, ils disent. C'est qu'on comprend ni, qui approche parce que c'est les cachetés qui parlent là. C'est normal, ou venir, renter, c'est ça. C'est vrai que mes migrants ne peuvent pas être dans le pays à m'acheter, ou en d'un cas là, c'est mon propriété. Ou bien doit mal ou bien doit bien coller, comment faire ça arriver? Ça, c'est business sport, parce que les États-Unis sont un pays d'opportunité. Enfin, il faut entendre des vidéos après ça, on a commenté. One of our new residents that apparently purchased my home. Entendez? They apparently purchased my home. Mon purchase my home. I was not aware. Il va connait qu'il t'a acheté. No one told me until yesterday morning. And this gentleman came up and put a 3-day notice on my door. I've been a resident there for 6 years. He did not speak English. Il parle pas l'anglais. But he came up and told me I have 3 days. Il va 3 jours pour partir. 3 days. Il va 3 jours pour le mettre là. To move out of my home. Dame n'a pas dit que il va 3 jours pour le quitter là. Il est en cas là 6 ans. Ok, guys. Ou là, ou en tout cas, ou te mettre gains valet ou gains. Gem qui compte gains impression ça. Yo loué cas là, le fait que yo loué le grand pile temps ou gains impression la cas. Il pas la cas, I'm sorry. I'm sorry. Ou en tout bagay, ou gains 6 ans, ou gains 10 ans ou en la dan. Ou vin gains impression tellement habitué la cas, il pas la cas. N'importe d'autre monde qui a acheté les décider qu'il pas continuer. OK. I'm getting pushed out of my home. Les pas hormones, sister. By someone that can't speak my language and doesn't know the law and doesn't know the rules of what an eviction is or what communication is because he can't tell me. It's not his fault. But I want to know where the resources are for us. Because I don't get rental assistance. My $15 an hour, I make. Ok, la parler de problème. Comprenez bien, gars, c'est des scénarios de ce genre. Oui, réalité, c'est que grand bon haïtien qui arrive des côtés qui successful, qui a des séries de monde qui natif, qui fait dans le pays. Vous comprenez ça? Vous faites pays, c'est pays. Qui loi qui dit que, je connais, vous faites dans le pays, son pays qui dit ça, nous tout d'abord dit, doesn't matter, ready pour un succès. C'est comme si succès, c'est comme un yo baou. Je suis fait paraître dans le pays, je travaille dur, je dépasse et puis m'acheter caille. OK? Donc, sans façon vous dit, argument ça encore pas Kembe. Et il y a d'autres qui complaignent de
C'est l'Haïtien qui a acheté car, il y a un car qui vient augmenter. Certes, l'arrivée des Haïtiens dans la communauté, puisque il y a plus de monde, oui, il est capable d'entraîner, s'entraîner, augmentation ou ensemble de biens produits, puisque là, ils viennent dans la ville, là, eux-mêmes, ils vont venir demander. La majorité là-dedans, c'est des gens qui déplacés, justement, et viennent travailler. Et puis, ils ont parlé de rental assistance. Je compte ça bien. En fait, généralement, bon, pour Floride, par exemple, c'est son lycée au métro. Et bon, bah, quand vous parlez de déplacer, vous parlez de rental assistance. Non, pas fait comme ça. Donc, il pas venir dire que tout c'est tout comme quoi, puis faut Haïtien Claude Boa, j'ai voulu faire comprendre, non, c'est sous rental assistance. Non. Non. Il faut qu'Haïtien qu'elle déplacer. Les ou déplacer, en majeure partie, chercher du travail. Mais d'avant, dans ce semaine, il y a plusieurs cas comme ça qui a parlé. Les Haïtiens, il y a des communautés qui parlent de bagages qui sont racistes. Tenez bien. Il y a des communautés qui parlent d'autres bagailles qui, c'est comme quoi, on dit, bon, nous, t'es là pour contre nous, ça monte, ça, on vient faire là. Bon, bagaille comme ça qui écrit, c'est, on dit, là, c'est territoire, c'est là, quand même, bon, bon, monde qui vient, yo, qui vient, depuis, yo, pas vient faire, depuis, yo, pas vient faire des zones, depuis, yo, pas, et pas voler, ou vient voler, ou pas vient tout le monde. C'est le cas, par exemple, de yon taon, et, qui, les, et, on taon, je crois, bah, non, bien, oui. On small taon, en Pennsylvania. Ok, et gen pil bruit parce que gen un ensemble d'Haïtiens qui décide à la dan. Et donc, c'est vrai que son taon de 4 000 moun, pas gen pil moun, essayez de comprendre bien, 4 000 moun qui la dan. Ou le taon nan Charleroi, moun ki nan Pennsylvania, m'a konne, ouais. Et son taon qui le Charleroi, un taon qui gen 4 000 moun, konne son petit taon, il va go, ok. Et ça passe, gon bon Haïtien qui débarque la dan. Ok? So, même j'ai avec Toxon tout, quand tu as gagné un monde, il y a une augmentation et qui te gagné un peu le monde là-dedans. Mais dans le cas de Charleroi, il y a parlé de Washington County, et il y a un county ça, county de Washington, et il y a un bon immigrant haïtien débarqué, particulièrement de Haïti. Et il y a aucun problème par le fait que vous ensemble d'Haïtiens. Et il vous fait comprendre que vous sentez que quand il y a 4 000 personnes, vous n'avez pas Haïtiens débarqués, et autant de temps, quantité a augmenté, vous parlez près de 2 000 pourcentages valables qui viennent, c'est un genre de choses, bah, ça. OK? Et il y a un bon monde qui est fâché. Vous parlez de invasion. Yo parlé de invasion. Yo dit que quand insurance augmente, c'est normal. Écoute, guys. Lorsqu'on ville cap développe, qui vient plus moun, cap élargi, c'est normal que depuis qu'on pile moun qui vient là-dedans, qu'on bon bagay qui augmente. Contrairement avec citoyen, vous faites clair sur ça. Citoyen avec moun cap dirige ville, yo, n'oubliez pas le de notable et magistrat. Yo pas la même perception. Si ça pourrait gouverneur, ou ayo, c'est bonne nouvelle, haïtien. Magistrat ville, peut-être qui ça, c'est plus moun qui vient dans ville. Gon bon entreprise qui déplace, qui vient, puisque il y a plus de monde qui travaille. Alors, il y a son côté qui travaille, il vient dans une zone moteur, qui est plus taxe, et ça lié. C'est production avancement. Il y a deux choix. C'est ça, on a dit, bon, si vivement, il y a 4 000 personnes, pas besoin de monde, pas besoin d'avancer, comprenons la consa, la preuve, va vrai. So, laissez pas d'intention. Ou t'es gagné dans un civil et vous venez, ou venez développer, par le fait que gon bon monde, vous gon bonne opportunité. OK? Donc là, je parle de ville ça, et qui est en Pennsylvanie. Et on apprend que, faut m'expliquer, vous, son journaliste, comment des journalistes Fox News, Adam Shaw, il a cherché, vous comprenez? Il a cherché l'événement, ça, vous présenter dans la presse, pour dire que Haïtiens vont arriver. Mais ça, vous nous dit, bonne bye bye là. Les Haïtiens ont débarqué dans la zone ça, est-ce qu'ils ont venu faire troublemaker? Est-ce que c'est mon yo venu tirer? Est-ce qu'il a fait mon yo venu voler? Bon, clair sur ça, je ne veux dire, pour tout le monde qui a créé l'article ça. Et c'est qu'on loi dans le pays qui dit que des groupes de monde qui dépassaient à l'un côté, il y a des monde qui déclarent ça, ils ont pas moins, ils bavent les autres monde là. Depuis qu'il y a un peu de monde qui a venu, et ça, monde ça a venu faire là. Il y a qui même parlé le fait que, bon, on est dans la communauté haïtienne, il y a une culture. Il y a une culture que vous parlez même dans la caillou et dehors. Il y a un problème avec ça, de toute façon, un problème culturel. C'est haïtien pour lui-même, il sentit pas gain ville, il ferme en quatre fenêtres. Parce que mon article, il y a un cap dit que vous sentez vous menacé parce que il y a un monde dehors. Vous comprenez? Parce que il dit, pour en sécurité, il faut tout le monde en dedans. Bon, ça, c'est un bagage culturel. Le monde en dehors, il est dans la rue.
Ça, c'est business plan, l'aria, il arrive l'État. Okay. Maintenant, si vous êtes dans l'aria, la fait des ordres, la blague est fatra, ça, c'est l'autre cause. Maintenant, c'est vrai que vous avez un problème avec les Haïtiens, vous ensemble là-dedans, qui pas senti à l'aise, là, vous été fermé en quatre murs, donc vous sentez bien plus vie, si vous êtes ensemble, il y a parlé, donc il y a un problème ça. Maintenant, nous sommes parlons là de Pennsylvanie. Et tout article ça, Mabdou, là, c'est des articles qui sont dans Fox News. C'est ainsi que Gayun tout, small town Indiana. Il faut préciser, on a parlé de Indiana lui-même, bien que il y a des côtés Indianapolis, pas bien parlé de Limpoko là, mais grand pile bagaille, il dit mal de Indianapolis, bon, sont l'autre histoire, nous capables toujours documenter qui sont l'autre cause. Maintenant, parce que vous parlez de insécurité dans Indianapolis, sont l'autre bagaille que nous capables justement et à le faire des recherches approfondies. Parce que l'autre dit Indianapolis, on va parler des Haïtiens, c'est les son vaste ville, il y a plusieurs groupes monde là. Et, parce que Haïtiens n'ont pas un groupe représentatif dans Indianapolis. Okay? Et maintenant, ça nous va parler là, c'est de préférence, et on dit que small town dans Indiana, et ça passe, moun yo ap complain, parce que gagné un pile Haïtien qui débarquait, et yo parle, ok. Vous parlez de près de 18 000 Haïtiens qui vivaient pendant ces dernières années. Vous parlez de résidents, en fait, résidents qui fâchaient, mais pour qui ça vous fâchait, puisque il y a un pile Haïtiens qui débarquaient, et ça veut dire tout Haïtien au Gentimoun. Donc l'école, vous venez de gens remplis. C'est en réalité. L'école, vous venez de dit que il y a trop petits monde dans l'école. Les professeurs n'ont pas le temps pour concentrer sur Timoun, bagaille, parce que Timoun ne va pas l'anglais. Mais, son établi. Ben, pendant que je dis ça là, je ne sais pas qui classe parler, mais Timoun qui vient tout petit, généralement, leur entrée dans l'école ici, même constater, il va prendre 3 mois, non, il va pas l'anglais. Ça dépend de qui classe on parle. Son réalité, même quelqu'un qui fait venir là dans Biden, il va gagner 3 mois. Il va gagner 3 mois, il ne parle pas l'anglais parce que c'est ça, je ne sais pas. Si tu l'as petit, il est rentré. Donc, pour moi, il y a un faux problème dans ce sens-là. Maintenant, ça nous l'a dit tout que. Et, lorsque il y a des groupes d'immigrants qui débarquent en côté, que ce soit sous l'école, que ce soit sous l'hôpital, oui, il y a bien pression sous institution publique dans l'école, dans la zone ça. Mais ça, pour comprendre. Et c'est là où nous comprenons bien. Moun sa yo vini, yo vini dépenser, yo vini travailler. Et c'est job l'État pour que l'utiliser les ressources sa yo pour lui ailleurs. C'est ça où on va le dire. L'homme est utilisé à côté de la COP, c'est parce qu'il y a des groupes qui dépensent plus, qui consomment plus, payent place, payent taxes plus. Donc à ce moment-là, durée. C'est un bagage logique pour que ou même ou baille ou aille plus professeur et puis ou baille plus espace pour l'école. C'est une logique simple. Maintenant, il y a parlé de trop petit monde, il n'y a pas parlé créole, il y a complaint, patati patata, et c'est là, c'est qui m'a dit ça là, c'est la caillou, Mounsayo, il vient avec Deyo, vous comprenez, il va venir avec Deyo, il vient avec Deyo, le fait que vous voyez ou son problème. Maintenant, guys, les États-Unis, ça pour nous comprendre, c'est un pays d'immigrants et c'est sa réalité. C'est un pays d'immigrants. Tout le monde, c'est le monde qui vient. Il y a toujours des groupes de monde qui mouvent, allons l'autre côté. Pas bon côté, non, ville, pas bon États-Unis qui dit, ah, ça c'est ville PAM. Ça c'est ville PAM. Ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé, ok?